Alors, mon travail quotidien, c'est large dans l'hôpital de Châtelois parce que je fais de la formation pour tous les médecins et secrétariats médicaux, assistantes médicales, pour la dictée numérique, donc notre logiciel de WinScribe pour la frappe des dictées. Le SIG Carfolio, donc le dossier médical informatisé qu'on est en train de mettre en place maintenant depuis fin 2013, également formation, coaching, accompagnement des médecins, des secrétariats. Et puis également toutes les questions un petit peu administratives de tout genre, des médecins, des secrétariats, sur tous les sites et tous les services de l'hôpital de Châtelois. Alors mon parcours, toute ma scolarité obligatoire à la Chaux-de-Fonds, école primaire, secondaire, mon école de com, donc l'Esther à Chaux-de-Fonds. Des très belles années dans ma ville, des très beaux souvenirs. Et puis là, après, mon stage de Mathieu à l'hôpital. Pourquoi à l'hôpital Neuchâtelois? Parce que je devais trouver un stage de Mathieu, pour ma Mathieu commercial fédéral, à valider, un stage de 39 ou 52 semaines. Et j'ai postulé à plusieurs endroits. La première réponse positive que j'ai eue, c'était les ressources humaines de l'hôpital Neuchâtelois. En août 2010, donc ça fait déjà passé 8 ans que je suis là. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai changé un petit peu de statut. Je suis passé aussi assistant RH pendant quelques mois en remplacement aussi de congé mat. Et je suis à mon poste depuis maintenant passé 6 ans de répondant aux utilisateurs des secrétariats médicaux et des départements médicaux où j'ai dû. Le premier projet, c'était effectivement la dictée numérique. Et ensuite, les autres projets se sont rattachés, comme le SIG Carfolio et plein d'autres choses. Voilà. Du temps pour les loisirs, ouais, il y en a pas mal. Il y en a vraiment pas mal. Déjà le foot depuis tout petit, depuis l'âge de 5 ans. Donc j'ai ça dans le sang, c'est ma passion. Donc j'en fais toujours, encore actuellement en troisième ligue, mais j'ai joué aussi en deuxième ligue inter. Et puis à côté, depuis tout petit, en tant que chaudefonnier, d'aller voir les matchs de hockey de Chaux-de-Fonds qui était en Liga maintenant il y a passé 15 ans, mais c'est encore des beaux souvenirs. Et puis je suis commentateur sportif aussi depuis 3 ans maintenant pour Neuchâtel Xamax et pour le HCC aussi au hockey. Donc pas mal de loisirs et puis j'adore les voyages. Dès que j'ai l'occasion, je pars. J'adore partager les bons petits restaurants, les soirées entre amis. Les fêtes aussi, hein, c'est important de faire la noce de temps en temps. Et puis, ouais, une vie bien remplie, chargée, mais c'est important, ouais.